Kate Middleton est une maman attentionnée avec son fils George. Le petit prince est une vraie boule d'énergie et elle fait en sorte qu'il ait une enfance aussi normale que possible. Kate Middleton et son mari le prince William sont aux petits soins pour leur aîné, le prince George. Le petit garçon, qui fêtera ses 2 ans en juillet, a de l'énergie à revendre selon une source citée par le magazine américain People. L'un des héritiers du trône l'a à nouveau prouvé lors de la cérémonie annuelle Trooping the Colour qui avait lieu samedi. Le fils de Kate Middleton a même été photographié en train de tirer la langue. Le lendemain, toute la famille était de sortie pour un match de polo et là encore, le prince George s'est montré espiègle et très joueur pendant les exploits de son père William sur le terrain. On a pu le voir en train de courir, danser, taper dans un ballon et jouer avec ses amis, dont Mia Tyndall, 18 mois, la fille de Zara, la cousine de William. George a l'air d'être un sacré petit garçon, très vif, a expliqué le photographe royal Mark Stewart à People. Pour évacuer toute cette énergie, Kate Middleton a encouragé son fils à jouer avec les autres. Elle courait derrière lui pour s'assurer qu'il interagisse avec les autres enfants. Elle n'était pas du genre précieuse avec lui. Elle voulait qu'il chahute un peu comme n'importe quel enfant, a ajouté Mark Stewart à propos de cet après-midi consacré au polo. Ces derniers mois ont été bien chargés pour le prince George qui est devenu le grand frère de la princesse Charlotte, née au début du mois de mai. Kate Middleton prévoit de s'éloigner un peu plus de ses devoirs royaux pour se consacrer à ses enfants afin qu'il ait l'éducation la plus normale possible. La duchesse de Cambridge n'est pas toute seule pour s'occuper de ses 2 bouts de chou grâce à l'aide de sa nourrice, Maria Teresa Turion Borallo. Si est elle qui surveillait George lors du Trooping of the Colour quand ses parents ont défilé dans les rues de Londres avant de le rejoindre sur le balcon de Buckingham Palace. Cover Media.